Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour demain, le temps est identique aux journées précédentes, c'est-à-dire des éclaircies, mais surtout des pluies et des orages sur la majeure partie du territoire. Regardez notre animation satellite. La situation générale est dominée par un vaste système dépressionnaire complexe couvrant une grande partie de l'Europe. Il continue de piloter de l'air maritime frais et humide sur la France. La perturbation est positionnée sur le territoire et entraîne avec elle des nuages et des orages. Côté température, celles-ci sont toujours en dessous des normales de saison. Pour votre matinée de demain, regardez, c'est un temps mitigé sur la France. Des pluies sont attendues sur la Bretagne ou encore sur la région Poitou-Charentes. La région Auvergne se retrouve sous un ciel très couvert, ainsi que de la région Pays de la Loire jusqu'à l'Alsace-Lorraine. Et partout ailleurs, et heureusement, nous gardons de très belles éclaircies et surtout un soleil très généreux sur la région Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes ou même encore sur la Corse. Les températures seront comprises entre 10 et 19 degrés en maximale. Une minimale de 10 degrés est attendue pour Besançon ou encore pour Lyon. Et nous irons jusqu'à 19 degrés prévus sur l'île de Beauté. Pour votre vendredi après-midi, aucune amélioration. Bien au contraire, les éclaircies et le soleil disparaissent. Et ce sont des nuages et des pluies qui prennent le relais sur la majeure partie du territoire. Cette perturbation s'installe sur l'ensemble du pays. Des orages sont à prévoir de la région Poitou-Charentes jusqu'à l'Alsace-Lorraine en passant par la région Rhône-Alpes, sans oublier les Hauts-de-France et l'Île-de-France. Seule la région Languedoc-Roussillon et l'extrême sud-est se retrouvent sous de belles éclaircies. Côté température, mesdames, messieurs, regardez, elles seront comprises entre 16 et 24 degrés à peine en après-midi. 16 degrés en minimale est prévu pour Charleville-Mézières ou encore pour Clermont-Ferrand. Et nous irons jusqu'à 24 degrés prévus dans l'extrême sud-est avec Nice. À peine 17 degrés en après-midi dans le sud-ouest du pays où la valeur était maximale il y a encore une semaine. 17 degrés à peine pour Pau, 20 degrés pour la capitale ou encore pour Lille et pour Colmar par exemple. La tendance, mesdames, messieurs, le week-end s'annonce pluvieux avec la présence de précipitations sur la majeure partie du pays. Seul l'extrême sud-est sera épargné et se retrouvera sous un ciel totalement clair et dégagé. La suite de la tendance, dès lundi, le soleil réapparaît plus généreusement et celui-ci s'étale du sud jusqu'à la région centre et jusque dans le nord-est du pays. Mardi, sur les autres régions, les pluies sont au rendez-vous, hélas, mais mercredi, le temps se gâte à nouveau et les précipitations reviennent abondamment sur les trois quarts du territoire. Mercredi et jeudi, les pluies touchent uniquement les régions du nord. Les températures remontent enfin mardi, favorablement, même jusqu'à atteindre 30 degrés en moyenne dans le sud, mais hélas, elles rediminuent mercredi. Elles atteignent entre 18 et 27 degrés en moyenne dans l'après-midi. Demain, nous souhaiterons la Saint-Martial, le soleil se lève à 5h53 pour se coucher à 21h57. Passez une très belle journée. Au revoir.